Chapitre 7. C'est la farine qui d'abord a manqué. Au bout d'une semaine, les quelques kilos que nous possédions ont été épuisés. Par bonheur, les deux coffres qui se trouvaient à l'entrée de l'étable étaient remplis de grains pour la volaille, 100 kilos d'avoine et 60 kilos de seigle environ. Si l'avoine, pour l'instant, ne nous paraissait pas très comestible, le seigle, en revanche, nous fournirait, à condition que nous trouvions un instrument pour le broyer, une farine acceptable. Bien entendu, nous ne disposions d'aucune machine. Mais là encore, c'est dans le fouillis providentiel du grenier que nous découvrîmes la solution. Un moulin à café de modèle ancien, qui, après avoir été nettoyé, fut vite transformé en moulin à farine. Il suffisait d'y verser deux ou trois poignées de grains et d'actionner énergiquement la manivelle, pour obtenir une poudre grossière qui tombait dans le tiroir situé au bas de l'appareil. C'était un travail lent et monotone, et qui exigeait une grande patience. Que d'heures j'ai passé près du feu, tenant le moulin serré entre mes genoux, à moudre interminablement cette graine dure qui n'en finissait pas de traverser le broyeur. Si, au début, cette nouvelle tâche m'avait plutôt diverti, elle devint bientôt une corvée, contre laquelle il m'arrivait de protester. « Je n'en peux plus, j'ai mal au bras. »« Tais-toi et tourne, » disait mon père. « Ce n'est pas le moment d'être paresseux. » Mais lorsqu'il voyait que j'étais vraiment fatigué, il prenait la relève. Il fallait plus d'une heure de travail incessant pour obtenir 1 kilo de farine. Nous la passions ensuite dans un tamis pour éliminer les plus grosses particules de son, qui d'ailleurs serviraient à nourrir la volaille. Cela occupait maintenant une bonne partie de mes matinées, et je consacrais le reste à soigner les bêtes et à nettoyer les tables. L'après-midi était réservé à l'étude, sous la direction de mon père, la soirée à diverses tâches ménagères. Pas plus que les autres, je n'avais l'occasion de m'ennuyer, et c'est dans ces circonstances que j'ai vraiment compris combien le travail peut occuper l'esprit et le détourner des idées moroses. C'était l'une des théories de mon père, qui, dans le passé, m'avait souvent paru ridicule, mais je commençais à lui donner raison. Et puis quelle récompense lorsque Man, après avoir confectionné la pâte dans la bassine qui lui servait de pétrin, l'enfournait dans la cuisinière, d'où sortait bientôt une bonne odeur. Ce pain bis est compact, d'une saveur agréable. Je le considérais comme mon œuvre, et je n'étais pas peu fier de ma réussite. Nous pouvions le conserver pendant des jours dans un linge, et rassis, il était encore meilleur que frais. Il fallait alors le mâcher avec vigueur, ce qui, affirmait ma mère, était excellent pour la digestion. Lorsqu'il devenait dur comme de la pierre, mon père le cassait avec une hache et nous le mettions à tremper dans la soupe ou dans du lait chaud. Cette nourriture massive mais substantielle constitua bientôt la base de nos repas quand les autres produits se raréfièrent. En écrivant ceci, il me semble avoir dans la bouche le goût légèrement poussiéreux de ce pain, et je me promets, une fois de plus, de profiter un jour de quelques loisirs pour renouveler l'expérience. Il me suffirait de retrouver le moulin. Les gestes viendraient d'eux-mêmes. J'appris de ma mère comment pétrir, modeler une miche, surveiller la cuisson. Elle m'enseigna aussi à préparer de la levure avec un morceau de pâte que l'on laisse aigrir. Je devins bientôt expert, et dans mon enthousiasme, j'allais jusqu'à rêver de me faire boulanger. Mais selon les travaux et les heures, c'était parfois charpentier, cuisinier ou berger. Berger surtout, et non sans raison. Comme beaucoup d'enfants de cet âge, j'avais l'imagination fertile et des coups de cœur successifs qui duraient ce qu'ils duraient. Ils ne me portaient certes pas dans le sens de l'époque, que fascinaient l'ordinateur, le robot et l'abstraction, mais ils m'ont permis de tenir dans notre prison de neige. Si j'ai, plus tard, suivi une autre voie, je garde le respect des mains qui travaillent, et je sais me servir des miennes. Cela aussi, c'est à mon père et aux épreuves de cet hiver terrible que je le dois. Oui, berger, pourquoi pas. Chaque soir, après avoir trait les bêtes, nous versions le lait dans des pots de terre, qui étaient ensuite placés à l'intérieur de la cheminée et couverts de linge. Nous obtenions, en moins de 3 jours, un caillé de bonne qualité. La crème, enlevée à la louche,
servait à fabriquer le beurre dans une antique baratte. Le reste, après avoir été égoutté dans des faisselles, était disposé dans la laiterie sur des claies. Était-ce à cause du manque d'air ou de la température un peu trop basse? Toujours est-il que nous produisions un fromage de vache assez médiocre. En revanche, le fromage de chèvre se révélait plus satisfaisant, bien qu'il eût tendance à virer au rouge, ce qui nuisait alors à son goût. Mais l'appétit aidant, nous n'étions pas trop difficiles, et nous mangions le tout avec plaisir sur des tranches de notre pain rustique. Quant au petit lait, dont Mont assurait qu'il était excellent pour la santé, nous le buvions en partie. Ni ma sœur, ni moi n'aimions sa saveur acide, mais poussés par la nécessité et par les exhortations de notre mère, nous avions fini par nous y accoutumer. Le surplus passait dans la pâtée des poules et dans l'abreuvoir de la vache. Ainsi, rien n'était gaspillé, et l'idée de ce cycle ininterrompu me paraissait réconfortante. J'y ai souvent pensé par la suite, comme au rythme même de la vie. Qu'un démon y fasse obstacle, tout se détraque et se corrompt. Ma mère et ma sœur avaient la charge de la laiterie, qu'elles veillaient à garder très propre, car c'est un endroit que menacent les mauvaises odeurs. Je leur apportais de l'eau et les aidais à laver leurs récipients. J'en profitais pour inspecter les fromages qui séchaient, bien rangés sur leurs claies, et je me rappelle que ce spectacle me plongeait dans une espèce d'attendrissement. Je les touchais du bout du doigt, je les comptais, et j'étais soulagée de voir que nous réussissions à toujours en garder une quarantaine en réserve. Avec cela, nous n'étions pas prêts de mourir de faim, même si la production de lait avait tendance à décroître. C'était une bénédiction d'avoir ces deux bêtes avec nous, et je songeais aux malheureux citadins, qui ne disposaient pas de tels atouts. Ils pourraient, bien sûr, puiser dans les stocks des grands magasins, mais parviendraient-ils à se frayer un accès jusqu'à eux? Et même dans ce cas, la source ne serait pas intarissable. Naturellement, c'était surtout à Catherine que je pensais. Je la voyais amaigrie, le teint pâle, les yeux mouillés de larmes. Toujours belle, et combien émouvante. Comme par miracle, je franchissais les obstacles, je lui apportais un panier de victuailles. Son visage s'illuminait, elle me tombait dans les bras. Elle s'en arrachait pour dévorer quelques fromages. Allons, tu rêves? Disait ma mère. Débarrasse-moi donc ce baquet. Je sursautais. J'allais verser l'eau sale dans l'égout où elle tournoyait un instant avec un bruit de succion avant de s'enfoncer dans les profondeurs. Mon père, après avoir achevé ses cavaliers, s'accorda quelques jours de répit, mais bientôt il déclara qu'il allait sculpter la reine et que ma mère lui servirait de modèle. Il voulait la représenter en marche, la tête fièrement dressée comme une figure de proue et couronnée de sa seule chevelure. Là, disait-il, pose donc cette casserole, avance un peu vers moi, ne bouge plus. Parfait. Il jetait sur un carnet de rapides croquis, une silhouette, un visage, une main, la courbe d'une épaule, les plis de la robe. Maman se prêtait de bonne grâce à toute cette gymnastique, et au fond, je voyais bien qu'elle était ravie. Enfin, Pas choisit dans sa réserve un bloc de buis particulièrement homogène, et il se mit sans plus tarder au travail. Entouré de ses esquisses, comme Mant l'était de ses cartes lorsqu'elle les interrogeait, il s'employa à dégrossir l'ébauche, et peu à peu, je vis naître sous ses doigts une forme encore imprécise, mais où déjà se devinaient l'harmonie et le mouvement. Le chalet était silencieux. Parfois seulement, Yo meuglait dans les profondeurs de l'étable, ou bien une bûche s'effondrait dans l'âtre, et le chasseur sautait, pour se rendormir aussitôt. Lorsqu'il sentait la fatigue, mon père posait son outil, et d'un air rêveur, il regardait Maman aller et venir dans la pièce, comme s'il avait encore cherché à saisir au vol un geste, une attitude. Puis, à nouveau, j'entendais le crissement de l'acier dans le bois, et le léger bruit des copeaux qui tombait sur le sol. Si quelqu'un prenait la situation avec philosophie, c'était bien le chat. Il passait la plus grande partie de son temps dans la cheminée. Là, les yeux mi-clos, il restait accroupi près de la marmite, comme s'il avait surveillé la cuisson. Lorsque le feu baissait,
Il se redressait avec un bâillement, et il allait se glisser sous la plaque de l'âtre, où nous mettions des bûches à sécher. Il n'en sortait guère que pour boire du lait ou manger quelques restes, qui d'ailleurs se faisaient de plus en plus rares. Quant à la viande, nous en avions si peu que nous ne pouvions en distraire la moindre parcelle, même si je soupçonnais Noémie de faire en cachette de menus entorses au règlement. Pourtant, au bout de quelques jours, Hector retrouva son instinct de chasseur, qui s'était endormi durant les années d'opulence, et il se mit à écumer le grenier à la recherche des souris. Il lui arrivait de redescendre dans la salle en tenant dans sa gueule un petit corps gris, tendre, encore agité de soubresauts. Noémie jetait sur ce spectacle un regard pitoyable, et je la sentais douloureusement partagée entre son affection pour Hector et celle, à peine moins grande, qu'elle éprouvait pour ses victimes. Un jour, je l'entendis même murmurer « Pourquoi? Pourquoi ?» Sans être le moins du monde insensible, je jugeais qu'elle se faisait bien du souci pour peu de choses, et qu'après tout, il était dans l'ordre de la nature que les chats mangent les souris et que les souris soient mangées par les chats. C'est d'ailleurs ce que déclarait mon père, en des termes plus subtils, lorsque Noémie, les larmes aux yeux, l'interrogeait sur ce point. Il parlait d'écologie, de régulation, d'équilibre, et il ajoutait que compte tenu du taux de reproduction de ces bestioles et de l'isolement dans lequel nous nous trouvions, le chalet ne tarderait pas à en être envahi si Hector n'y mettait bon ordre. Noémie hochait la tête et ne semblait qu'à demi convaincue. Un jour, Paz s'aventura même à calculer la descendance d'un couple de souris dont rien ne viendrait contrarier l'élan vital. Peut-être s'embrouilla-t-il dans des comptes pour lesquels il était peu doué, mais le chiffre qu'il obtint était si considérable que l'on pouvait imaginer la maison pleine à craquer de rongeurs qui nous étoufferaient avant de s'étouffer eux-mêmes. Hector avait-il compris que l'on parlait de lui, et de manière élogieuse? Toujours est-il qu'il sortit de son repaire et vint se prélasser sur mes genoux, où je le caressais avec zèle, comme pour remercier la Providence de nous avoir gratifiés d'un tel sauveur. Dans notre solitude, il devait, à sa manière, jouer un rôle considérable, comme d'ailleurs les autres animaux que les circonstances avaient embarqués avec nous dans cette singulière aventure. Son assurance, son flegme, sa sérénité nous impressionnaient. Rien ne semblait pouvoir compromettre la grâce de ses attitudes. Dans ce petit monde clos où tout prenait valeur de signe, je me souviens du sentiment d'étrangeté que j'éprouvais en apercevant, dans l'obscurité de la resserre à bois, ses yeux qui brillaient d'une lueur verdâtre, ou bien lorsqu'il lui prenait la fantaisie d'aller se jucher en haut de l'armoire, sa silhouette sombre et ramassée comme celle de quelques rapaces. En revanche, quand il bâillait, ouvrant une gueule démesurée, où luisaient des crocs aigus, c'est à une vipère qu'il m'arrivait de songer, avec un élancement de crainte, jusqu'à ce qu'il eût refermé ses mâchoires et retrouvé son apparence paisible. Noémie, qui veillait sur sa santé, avait décidé de lui faire prendre l'air chaque jour. Le tenant sous son bras, elle le hissait avec obstination sur la terrasse, où, flairant l'air froid avec dégoût, il ne tardait pas à lui échapper pour se précipiter au bas de l'échelle et disparaître dans le fenil. Son entêtement était encore plus irréductible que celui de Noémie, et il eut le dernier mot. Ma sœur finit par se lasser, même si, de temps à autre, elle faisait encore une tentative sournoise qu'Hector réussissait à déjouer. Comme je le comprenais, Hector, avec ses ruses, ses refus, et son goût pour le coin du feu. La seule vue du ciel sombre, immobile, qui pesait sur la neige, me déprimait. Et si mon père n'avait pas exigé que nous fassions chaque jour notre promenade au grand air, je crois que je serais restée dans la salle, ou mieux encore, dans mon lit, à prier que le sommeil me délivre de ce cauchemar. Avec le recul, je vois combien mon père avait raison, et que la passivité, le renoncement, étaient alors nos pires ennemis. Bien que ce fût à contre-cœur, nous lui obéissions, et nous tournions en silence comme des bagnards dans une fosse. Mais de plus en plus souvent, il m'arrivait de fermer les yeux.